Aujourd'hui, je me trouve dans la commune de Castillon et je t'emmène explorer l'ouvrage de l'abbesse de Scuvion. Alors, j'espère que ces images te plairont. J'ai galéré 2 heures pour y accéder. Alors c'était un avant-poste équipé de 2 mitrailleuses Hotchkiss 8 mm, 5 fusils et un mortier de 81. Il était composé de 3 blocs. Le bloc 1 c'est l'entrée, le bloc 2 c'est un observatoire avec une cloche, et le bloc 3 c'est un blocos pour mitrailleuse. Il y avait aussi quelques positions pour armes automatiques et le mortier sur le dessus. Pour les locaux, c'était un souterrain pour stockage de munitions, quelques vivres et un réservoir d'eau. Historique, d'après l'adjudant-chef Vignaud, commandant de l'avant-poste.
Le 22 juin 1940, entre 6h30 et 7h, commence le début des hostilités lorsque fut aperçue une compagnie italienne venant de franchir la frontière et se dirigeant vers l'ouvrage. Une mitrailleuse, située sur le mont Rolap, ouvrit le feu afin de la faire reculer, mais le brouillard faisant obstacle, l'ennemi en profite et progresse par vagues successives. Vers 9h, le brouillard se dissipe. Les deux mitrailleuses Hotchkiss et le mortier de 81 entrent en action jusqu'à 11h. Par sécurité, des tirs préventifs furent eus toute la nuit du 22 au 23, impliquant toutes les armes, à savoir les 5 fusils, les 2 mitrailleuses et le mortier. Le 23 juin, entre 9h et 10h, l'ennemi engage un assaut. Un tir d'artillerie venant d'un des forts proches est ordonné pendant que les mitrailleuses de l'ouvrage ratissaient les parages. Cela suffit à mettre l'ennemi en fuite. Le 24 juin, une patrouille de l'ouvrage aperçut des brancardiers italiens et des demi-lieues ramasser des corps. Il a été dénombré environ 150 morts ou blessés. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, et je te dis à la prochaine. Tchou tchou.